this is a dangerous group, groups that we're dealing with now. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Joshua Bixel qui me demande comment on fait un fichier ILIS pour une map. Alors c'est parti, on voit ça tout de suite, générique. This is a dangerous group, groups that we're dealing with now. Donc déjà, quand tu vas commencer pour faire ton ILIS, donc là on va s'occuper de la partie des véhicules AI, donc des voitures. Donc c'est très simple, tu vas prendre ton clavier, tu vas écrire ceci. Alors du coup je vais faire un copier-coller, ça va être plus simple. Tu vas écrire ceci directement dans ton bloc-notes. Tu vas commencer, tu vas marquer AI Group 2, Normal Car. Et ça, ça veut dire voiture. Ensuite, tu vas prendre directement la voiture que tu veux. Si tu veux une Citroën BX, tu vas écrire cette ligne là que je t'affiche actuellement. Hop. Donc, tu écris ça. Donc véhicule Citroën BX. En fonction de ton dossier Citroën, tu écris le nom de ton dossier, de la voiture, et t'écris le nom du fichier. Et très important, il ne faut pas oublier de mettre la condition juste derrière, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Certaines personnes, tu verras dans certains fichiers, il y a marqué peut-être un chiffre après chaque ligne. C'est normal, je te conseille d'utiliser ça, ça veut dire que le jeu va charger 5 voitures de ce modèle. Par exemple, si tu veux 5 Citroën BX, tu mets tabulation et tu mets 5 ici. Si tu veux 10, c'est pas compliqué, tu fais tabulation, tu mets 10. Voilà, c'est pas compliqué. Donc une fois que tu as fait ça pour toutes tes voitures, je te donne un exemple sur Malancy. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un truc comme ça. Donc par exemple là, si tu veux, j'ai des voitures, j'ai des Citroën, j'ai des Peugeot, j'ai des Mercedes, j'ai des Renault. J'ai des bus parce que j'ai mis un DLC en même temps dedans. Et j'ai une autre Mercedes. Donc voilà, si tu veux, c'est pas compliqué. Donc voilà, je vais t'en enlever pour éviter que ça te fasse un splash sur l'écran. Une fois que tu as mis toutes tes voitures, que tu es content de toutes tes voitures, tu termines ceci par end, la condition end. Ça veut te dire, en gros, le jeu, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va dire, voilà, je veux cette ligne là de véhicule, je veux tout ça comme véhicule, tu me charges tout ça et c'est bon. Donc le jeu, il va charger tout ça. Ensuite, tu fais 3 entrées, 3 retours à la ligne. Et tu vas marquer ça, cette condition là que je te mets juste ici à l'écran. Tu mets cette condition là, ça va dire quoi? En gros, ça va te créer un nouveau type de... En gros dans le jeu, ça crée un nouveau dépôt si tu veux. Et ça va faire en gros, c'est que tu vas mettre tes bus tout simplement. Parce qu'il y a marqué bus ici. Et ensuite, en dessous, tu mets le nom du fichier off. Donc là, je vais te mettre off, voilà. Donc tu mets, par exemple, si tu es sur Malancy, tu mets Malancy. Si tu es sur Grundorf, tu mets Grundorf. Si tu es sur Winsenburg, tu mets Winsenburg, etc. Donc là, tu mets nom de ton off. Je vais marquer nom du off, voilà, comme ça. Voilà. Tu fais tout autour à la ligne et tu marques cette condition-là. Donc, de retour à la ligne, tu marques cette condition là. Et ensuite, tu vas faire comme pour les voitures, tu vas renseigner quel véhicule, quel bus tu veux que OMSI utilise pour faire ta ligne. Donc, c'est pas compliqué, tu mets véhicule. Donc, par exemple, si je veux que ce soit si je veux que ce soit par exemple un C2. Bon là je vais mettre une voiture AI, un truc AI d'un DLC donc c'est pas grave. Mais par exemple c'est fonctionnel. Donc là en gros j'ai juste à mettre une ligne comme ça. Véhicle, Alicon, pack, AI C2 tu vois. Donc là il va mettre un bus AI tout simplement pour pas prendre trop de ressources sur le jeu. Mais tu peux mettre n'importe quel bus. Si tu veux mettre le C2 mode FR, c'est pas compliqué. Tu recherches le C2 mode FR. C'est véhicle MBO530 C2. Et tu mets ces deux points bus. Voilà. Et n'oublie pas l'extension. Parce que sinon ça ne fonctionne pas.
Ensuite, tu fais retour à la ligne. Et alors pour cette partie-là, je te conseille de le faire avec Excel. Ça sera plus simple, mais je vais te montrer quand même directement dans le bloc-notes parce que sinon, il faut que je refasse la mise en forme sur OBS et tout. C'est chiant. Donc en gros, là, je t'explique. Donc les numéros qui sont ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, ça va correspondre au numéro du bus. Le numéro du bus, c'est par exemple bus 350. Voilà, le bus 350, il va en direction de machin. Voilà. C'est une sorte d'immatriculation des bus, mais que pour le dépôt, si tu veux. Donc en gros, là, bah, c'est pas compliqué, mais bah, je te conseille de faire comme moi, tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça, utilise une feuille Excel pour faire ça, parce que c'est plus simple, tu peux directement tirer le numéro que tu as mis dans ta cellule Excel. C'est plus simple. Ensuite, ici, le numéro qui est ici, par exemple, tu vois ici, ED138FP. Ça va correspondre à la plaque d'immatriculation. Donc tu peux mettre des vieilles plaques, donc ça par exemple, ça c'est un format de plaque ancien, donc avant 2009, l'ancien format d'immatriculation, donc si tu veux changer, tu peux mettre n'importe quelle, de toute façon tu peux mettre n'importe quelle immatriculation, si tu veux même pas mettre d'immatriculation, tu mets bonjour, voilà, tu peux mettre bonjour, tu peux mettre bus, tu peux mettre ce que tu veux, ça va te poser aucun souci. Et ici, tu vois, il y a marqué RATP, LCR Transport. C'est alternative. Tu n'es pas obligé de faire comme moi en alternative. C'est juste le repaint que le bus il va utiliser. Si tu veux que ton bus il soit du livret RATP, bah, tu mets RATP. Il faut que ton bus ait la livrée RATP. Voilà, c'est tout. Ensuite, pour faire, si tu as une map, sur ta map, tu as des voies ferrées, tu veux mettre des trains qui circulent, bah, c'est pas compliqué. Déjà, tu fais deux retours à la ligne, tu mets cette condition-là, que je t'affiche maintenant. Voilà, tu mets cette condition-là, RI Group 2, Regional Ban. Et t'oublie pas, tu fais comme précédemment, tu mets le nom du off, parce que sinon, il va pas fonctionner. Ensuite, tu fais deux retours à la ligne. Tu copies. J'ai fait une bêtise. Tu copies ça. Voilà, tu mets ça. Ça, c'est le train que tu veux utiliser. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas dans le dossier OMSI 2, train. Et après, tu regardes le train qui te correspond. Si tu veux. Une fois que tu as fini, bah, c'est pas compliqué. Tu refais entrer à la ligne. Tu mets ta condition end. Et là, ça y est, ton fichier est terminé. Tu as juste à faire fichier, enregistrer sous. Donc là, du coup, tu verras pas, hein, mais disons qu'on va le mettre sur le bureau. Je vais te montrer ça juste après. Bureau, je vais plutôt te montrer directement la capture parce que j'ai pas envie que tu fasses de bêtises. Hop, je vais te montrer directement ça. Capture de fenêtre, voilà. Enregistrer sous. Voilà. Donc là, du coup, tu vois comment j'enregistre. Donc, tu choisis ton dossier où tu veux. Donc, moi, on veut l'enregistrer sur le bureau. Et tu mets... Enfin, je l'enregistre sur le bureau. Toi, tu vas le mettre dans ton dossier OMSI 2, Maps, le nom de ta map et ilist.cfg. Donc là, tu écris ilist.cfg. Très important. Tu verras ici, à la place du CFG, il y aura marqué un truc comme ça, tu vois. Asterix.txt. Ça correspond, comme c'est marqué juste ici, au fichier texte ici. Ça correspond en gros que lui, si tu laisses ça comme ça, il va t'enregistrer ton bloc-notes en TXT et en fichier texte. Toi, tu veux pas de fichier texte, tu veux un fichier CFG. Donc, tu enlèves l'extension texte. Tu remplaces texte par TXT par CFG. Tu enregistres, donc là éventuellement tu ne vois plus rien. Ah si, tu revois, pardon, j'ai rien dit. Donc là, si je passe sur ma capture d'écran, hop, j'ai un fichier ici, ilist. On regarde bien, fichier CFG. On a juste à déplacer le fichier dans le dossier de la map qui correspond. Et ça y est, c'est terminé. Voilà, Joshua Bixel, tu as la réponse maintenant, comment on fait un fichier AI pour une map facilement de A à Z. J'espère que ce tutoriel t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, je te retrouve très prochainement sur la chaîne LCRFR. Je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.